sur le tapis. Round 1, fight! Ok, Yass, t'es prêt? Ouais. Allez, 3, 2, 1, go! C'est parti! Ouais, hop, on se déplace, fort! Hop, tout de suite, on pousse dans les jambes. Bam, 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 hop, tout de suite. Yes, hop. Yes, encore, encore, allez, allez, allez. Yes, voilà. À chaque fois, on varie au niveau des combinaisons. Bam, bam, bam. Ouais. Go. Yes, et à chaque fois, une petite esquive quand tu pars. Bam, 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 hop, j'esquive, je pars. Allez, je pousse fort dans les jambes avec les jambes. Allez, on pousse fort dans le sol avec les jambes. Round 2, fight. Allez, rapide. Hop. Tout de suite. On pousse dans les jambes. Yes. Tout de suite, crochet gauche. Boum. Yes. Allez, allez. Final round. Fight. 10 secondes. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Allez. Allez. Stop. Yes. Le dernier. 3, 2, 1. Ok. So. Ah ouais, ça tue. Ça va, Yass? Ouais, ça tue, ça tue. 3 fois 3, 1 minute de récup. Ouais, ça tue, Valentino. Lourd. Franchement, les gars, c'est un exercice. Ouais, vas-y, je te laisse. Ouais. Souffle un coup. Est-ce que tu penses qu'on peut le transférer au MMA, ça? Moi, je pense qu'on peut le transférer au MMA. Même si c'est pas le même nombre de temps, 3 fois 3, c'est pas pareil. Je pense que, bah, on est sur du 3 fois 5 avec 1 minute de récup. Si on rajoute un circuit pied-point, par exemple, avec du sprawl, ouais, peut-être même des fois, ce que je préconise des fois à mes élèves, partir sur une attaque, juste faire une liaison en percutant avec sol. L'épaule, ah, okay, ouais. On peut mélanger. Bon, on n'aura pas l'aspect sol parce que c'est compliqué. Ouais, ouais. Mais pour moi, carrément, on peut faire un 3x5. Pourquoi pas le tester la prochaine fois? Ouais, ouais, pourquoi pas. Et voir ce que ça va donner. Là, je reprends mon souffle parce que franchement, les gars, c'est dur. Et en plus de ça, au niveau des jambes, c'est quelque chose... Pff, ça puise, hein. Ça pique et on a les jambes. Souvent, c'est ce qu'on peut retrouver en combat parce que... Souvent, on dit bah, les jambes, c'est un peu vital en fait dans les sports de combat, dans tout ce qui est striking, parce que ça te permet de te déplacer, transférer la force des pieds vers les poings. Et surtout, c'est la carte vitale en fait, j'appelle ça. Surtout, ouais. Et quand tu es en mode ça se passe mal, ouh, va falloir bouger, toucher sans se faire toucher. Et ça puise vraiment beaucoup d'énergie. Mais il faut être également endurant, puissant, mais aussi endurant. Et justement, c'est pourquoi utiliser deux sacs, plus les déplacements, ça taffe grave. Moi, c'est Eric Tormos qui m'a appris cet exercice. Et en le travaillant, j'essaie de mettre un petit peu avec les sciences, comment, pourquoi. Et franchement, j'ai dit, mais c'est une tuerie, tu vois. En tout cas, c'est un super exercice, les gars, je vous le recommande. Vous avez toute la description. Vous avez toute la description sur le tableau en début de vidéo. Je vous la mets aussi en description au fur et à mesure de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. Je vous mets aussi le lien de la chaîne YouTube parce que tu as une chaîne YouTube aussi. Yes, moi, c'est juste Fort Boxing Perf. On taffe sur YouTube Fort Boxing Perf. Vous allez trouver toute une série de vidéos. Et Fort Boxing Perf, les gars, regardez. Franchement, on exclut. Voilà. Je crois que c'est la seule paire que t'as en ce moment. Ouais, c'est la seule paire. Archi confortable. Vraiment, j'ai boxé avec là. Je me suis senti super bien. Peut-être un de ces quatre, on va voir un peu ce que... Ouais, ce que ça peut donner. Avec ce que ça peut donner sur du sparring ou coquesse. En tout cas, franchement, je suis amoureux de ta paire de gants. Elle est archi belle. Merci. Bravo. Et donc, Fort Boxing Perf, je vous mets le lien ci-dessous. Son compte Instagram aussi, n'hésitez pas à le suivre. Et si vous voulez que Valentino revienne pour nous redonner encore du contenu en prépa, d'ailleurs, si vous voulez me voir encore crever, parce que... Ouais, parce qu'il y a aussi la partie 3x3, enfin 5x3, avec le MMA. Donc ça, il faut que les gens le voient. Si vous voulez me voir vomir dans le sac poubelle, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Et surtout, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo MMA Secret Lab. Merci à toi, Valentino. Merci à toi. À très bientôt. Au top. Merci. Ciao, ciao.